chaîne du Palais des Saveurs. Aujourd'hui, on visite les régions. On part en Vendée. Je vais réaliser une analyse pacode. C'est un pain de Pâques, on va dire, qui s'apparente à une brioche. Dans la cuve de mon robot, je mélange le lait tiède avec la levure. Je réalise ainsi mon levain. Je verse ensuite la farine, le sucre, auquel j'ai retiré 20 g, et ma pincée de sel. Et je vais pétrir le tout. Je bats 2 œufs. Je les verse dans ma cuve. Je termine par l'ajout du beurre. Sans oublier l'eau de fleur d'oranger. Et je pétris pendant 10 minutes. Cette pâte, je la recouvre d'un torchon et je la laisse pousser pendant 2 heures. Je sors ma pâte de la cuve, je la mets en boule, je la dégaze et puis je n'ai plus qu'à la plaquer. Je la mets sur une plaque anti-adhésive de cuisson et puis je l'aplatis légèrement. Ensuite, je mets mon sucre restant, c'est-à-dire les 20 g, sur le dessus. J'ajoute des petits cubes de beurre. Et je laisse pousser, toujours sous un torchon, pendant 30 minutes. Pendant ce temps, je mets mon four à préchauffer à 200 degrés. Voilà, je n'ai plus qu'à enfourner pour 25 à 30 minutes et ma brioche sera prête. Voilà une brioche qui a bien doublé ou triplé de volume à la cuisson et je ne vous raconte pas l'odeur dans la cuisine. Et bien voilà, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Palais des Saveurs. Au revoir.